Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Cuba, que le Sancho pour la salsa. Yes, sir. Yes, sir. Pour un autre unboxing, celui de la... The Stanley Box. Yes. Sous le thème de... Darkness Descends. Oh, yeah. Oh, yeah. Vous l'aurez compris. Encore un unboxing de la George. Je suis sûr qu'ils s'en sont rendus compte, mais merci de le souligner. Pas de problème. On revient au unboxing. C'est la Stanley Box du mois d'octobre qui m'a finalement arrivé en début décembre. Donc celle de décembre, je l'attends seulement en février, c'est quoi? Mais bon, elle est sur la ligne de se faire arrêter. On découvre d'autres box qui sont mille fois meilleures. Donc si elle ne s'améliore pas, ben, je vous dis deux prochaines box. Car la prochaine a déjà été payée et commandée, je vais quand même lui donner une dernière chance pour la boîte qui suit. Si avec la prochaine box ça ne s'améliore pas, celle qui suivra sera la dernière, j'arrêterai les paiements. Mais ne tardons plus, on va passer tout de suite à l'unboxing. Je rappelle que la Stanley Box est une boîte qui vient dans une boîte, donc c'est une boîte brune qui la recouvre. Donc celle-ci n'est pas scellée, mais faites-moi confiance, je ne l'ai pas ouvert, donc la surprise sera totale. Donc comme à l'habitude, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur avant de procéder à l'unboxing. Oh, ça semble être le récap est fait. Oh oui. Et voilà à quoi ça ressemble. Ah, pas de bol, on dirait que c'est les comics sont au début. Donc comme Sancho l'a dit, le thème Darkness Descends, donc on le voit un peu en Shakespeare avec le crâne rouge comme celui de Red Skull, cabron. Je m'attends du méchant. Darkness Descends, moi, ça me fait penser à des méchants. Donc on va voir ce que Stanley lui-même en pense. Donc voilà, c'est la boîte des comics. Voilà, elle est vide. Donc la petite carte. How Green Was My Goblin? Donc, Fun Fact 64. Combien vert était mon gobelin? L'identité du gobelin vert. Stanley voulait que ce soit Norman Osborn, mais les autres artistes trouvaient que ça aurait été plus réaliste que ce soit une personne qu'on n'avait pas entendu parler encore. Mais le futur lui aura donné raison. Le fait que c'est Norman Osborn, ça fait juste malade. Le père de son meilleur ami, c'est waouh! Mais bon, on a des autocollants. Donc là, maintenant, la couleur est grise. Ces autocollants-là, je les aime bien quand même. Voilà. Ensuite, nous avons The Mighty Thor. Mais nous reconnaîtrons Lucky. Mais si on prête attention, avec le visage de Stanley... Très, très fort. Oui, j'aime bien. Et la variante blanc et noir. Voilà. Donc, ouais. Darkness Descends, Lucky. En plein centre de la page. Oh, on dit une casquette. Mafsade, ok. On ne voit pas le lien avec le reste de la boîte. Un peu comme les chaussettes, il y a quelques boîtes, mais bon. T-shirt, un sac. Ah, un sac. Stanley. Ah, Shakespeare. Donc, pour ceux qui s'étaient plaints du sac à dos, un peu sac réutilisable qu'on avait eu quelques boîtes. Ben voilà, un sac assez solide, de très bonne qualité. Mais bon. Bon. Continuons. Oh, c'est un comic. Oui. Lucky, Agent of Asgard, Trust Me.
Donc, on revient à Lucky, encore un autre méchant. Parfait, pas de problème, on continue. J'oserais passer un pas, juste en touchant la boîte. On va la tasser. On prend celle-ci. Ah, Metal Diecast Magneto. Très, très bien. C'est correct, c'est correct. Bon. Continuons, est-ce qu'il ne reste plus que la pop? Oui, très bien. Si c'est une pop, oui. Ah, malheureusement, c'est Hela de Thor Ragnarok que j'ai déjà. Très dommage, mais bon, c'est une commune. Donc en même temps, bon, c'est correct. Et la boîte est vide. Donc voilà, on a reçu un graphic novel de Lucky, les deux comics avec les deux variantes de Thor, de Mighty Thor, un Funko Pop de Hela. On aurait pu recevoir Lucky sans le casque, mais j'ai déjà celui avec le casque. Donc Diecast Magneto, on aurait pu avoir Venom. Venom, j'aurais apprécié, puisque j'aime bien ce personnage-là. Donc, j'ai quelques figurines de Venom, donc ça aurait pu ajouter à la collection. Mais Magneto... Mais bon, on verra ce qu'il adviendra de lui. Et bien sûr, le sac réutilisable en tissu. Ce que j'ai préféré dans la box, ça va être facilement le graphic novel Lucky. Pas la meilleure box, au contraire, je trouve qu'elle dégringole. On va espérer que la prochaine puisse relever un petit peu le nez, car sinon, ce sera leur fin pour ce qui est de moi. Mais je veux savoir, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme à l'habitude, ben, si vous avez aimé ce que vous avez vu, même si vous n'avez pas aimé la box, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et comme à l'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!